devait m'offrir une parenthèse de bonheur. Et bon, la fidélité qu'on a vis-à-vis de Romain et de l'association, c'est vraiment un moment très très fort. Oui, on se fait plaisir tous les ans à faire ça et on espère continuer et on a d'autres idées aussi. Vous avez conduit une voiture pour la première fois de votre vie. De donner le sourire à ces enfants qui vivent des choses extrêmement difficiles, les voir se battre et prendre du plaisir et s'amuser et oublier la maladie sur une journée, c'est quelque chose d'unique. Alors c'est vrai que je suis, voilà, c'est une des journées pour moi les plus importantes de l'année, ne serait-ce que pour aider ces enfants à sortir de leur quotidien, à faire des choses assez extraordinaires grâce à Jaguar. Ça fait 3 ans maintenant avec Jaguar qu'on fait cette journée qui prend de plus en plus d'ampleur, où on pousse à chaque fois les idées plus loin. Et aujourd'hui, avoir tous les ambassadeurs, presque tous les ambassadeurs de la marque qui sont là, c'est quelque chose d'unique. Et même nous, en fait, on retombe en enfance. Pendant cette journée, j'étais dans les petites voitures tout à l'heure comme une gamine. Et ah oui, c'est un bonheur, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir. C'est d'abord un grand moment de partage et de bonheur, voilà, tout simplement. On est tous redevenus des enfants finalement aujourd'hui. Voilà, c'est une belle journée qu'on passe aujourd'hui ici, ce beau circuit. 190 et on est à 200. Déjà, j'entends plus. Il y en a qui étaient les yeux écarquillés, qui regardaient toute la route. J'ai vraiment eu tous les cas et mais tous ils se sont régalés. Et à la fin, c'est ça qui est bien, c'est de les voir avec le sourire. Je faisais confiance à la voiture au pilote, donc ça. C'était cool. Chacun en tout cas va repartir avec une belle émotion, avec une très belle journée, avec des gens vraiment hyper sympas. Quand on voit le Cléage, Romain Grosjean, enfin voilà, un mec qui a gagné le Vendée Globe, un mec qui roule en Formule 1, une actrice de cinéma, un pilote. Ils ont quand même pu palper, toucher, passer des moments privilégiés avec chacun d'entre nous et ça c'est bien. Incroyable, je trouve. C'est trop bien. Fantastique. Extraordinaire. C'était brutal. Il y allait à 200, je crois. J'ai bien aimé, surtout les dérapages. Puis j'ai toujours voulu être dans une voiture sportive. C'était hallucinant. En plus, c'est la première fois que ça m'arrive.